Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue au Centre Pompidou. Ce soir, la Bibliothèque publique d'information poursuit son exploration de l'univers de Franquin en lien avec l'exposition Gaston au-delà de la gaffe, que j'espère vous avez eu l'occasion de visiter à la BPI. Nous sommes à la quatrième session, à la quatrième rencontre de notre cycle de programmation associé à cette exposition. Et aujourd'hui, nous souhaitions, en partenariat avec le Centre Wallonie-Bruxelles, que je remercie au nom de la BPI pour son partenariat, nous souhaitions explorer un peu la scène contemporaine de la BD franco-belge, même s'il faut discuter un petit peu ce concept, son histoire, et toujours parler à nouveau des influences et des écoles qui ont marqué l'histoire de cette école franco-belge. Et je vais donc laisser la parole à Thierry Belfroy, qui est journaliste, scénariste, commissaire d'exposition, à ce qu'on m'a dit, et qui va donc présenter le panel de ce soir et animer la discussion. Et merci à lui. Merci beaucoup. Et donc, pas ici, hein, quand on dit commissaire d'exposition, je n'ai rien à voir avec l'exposition Franquin. Merci pour cette introduction et l'invitation. Autour de moi, il y a trois auteurs belges dont peut-être vous connaissez une partie ou tout, ou pas du tout, l'œuvre. Donc je pense que dans un premier temps, le plus intéressant, ce sera quand même que vous fassiez connaissance avec la manière dont ils abordent la bande dessinée. Baptême, qui a repris des mains même du maître Franquin, le marsupilami. Oui, bonsoir. Bonsoir. Voilà. Oui, le maître, comme vous dites, et c'est vrai, mon maître et mon ami, est venu me chercher il y a 30 ans. Et depuis 30 ans, j'anime les aventures du marsupilami, avec tout le bonheur et la joie que vous pouvez imaginer. Fleur Balthazar, qui a la lourde responsabilité ce soir d'incarner la nouvelle génération d'auteurs belges francophones de bande dessinée. Bonsoir. Dont on parlera dans un instant ouais. De ces quelques créations déjà parues et de ses projets. Et Bernard Isler, qui a démarré il y a déjà quand même un certain nombre d'années une carrière dans Spirou et qui aujourd'hui est un auteur à plusieurs casquettes, dont la série la plus connue et très connue même est Sambre, mais qui n'a pas que cette série-là dans ses cartons. Alors la première chose peut-être, avant d'aborder leur parcours à chacun et puis de voir quelles sont les influences éventuellement tutélaires de personnages comme Hergé et Franquin sur leur travail, ce serait peut-être de se remettre en mémoire ce qu'est cette fameuse bande dessinée franco-belge. D'où vient-elle? Qui est-elle? Comment est-elle apparue? Il faut dire que ce n'est pas la Belgique qui a inventé la bande dessinée, même si c'est Hergé qui a peut-être été le premier à avoir du succès en bande dessinée sur le continent européen et en tout cas dans le monde francophone. Alain de Saint-Augan avec Zig et Puce avait eu un certain succès aussi, et même avant lui, mais c'est vraiment Hergé qui a le premier mis le doigt dans le pot de confiture et s'est rendu compte qu'il y avait moyen de se faire de très jolies fins de mois avec la bande dessinée. Avant cela, il faut bien reconnaître que la bande dessinée, aujourd'hui, tout le monde est plus ou moins d'accord pour dire qu'elle a été conceptualisée et inventée, entre guillemets, par un Suisse, c'est Rudolf Töpffer. On est au milieu du 19e siècle, mais ce sont les Américains qui ont les premiers démarré une production de bande dessinée beaucoup plus industrielle, beaucoup plus liée aux mass médias, notamment à travers des publications dans les grands journaux en couleur, déjà très très tôt, fin des années 1890-90. On est déjà sur des planches en couleur et avec des personnages qui sont restés dans l'histoire de la bande dessinée. Si on pense par exemple au personnage de Little Nemo, qui date du tout début du XXe siècle, c'est quand même un personnage que personne n'a oublié plus de 100 ans après sa création, et qui a posé des bases énormes sur ce qu'est l'architecture d'une planche, la chute d'un gag en bande dessinée, le langage de la bande dessinée contemporaine. Donc évidemment que la bande dessinée n'est pas une invention purement belge, mais il se trouve que dans la suite du succès que va connaître Hergé dès 1929, avec Tintin au pays des soviets, récemment remis en couleur, c'est un art ou une industrie qui va intéresser énormément de monde et qui va susciter des envies, susciter un engouement de la part avant toute chose des imprimeurs qui sont des bonnes familles bien catholiques en Belgique, possédant l'outil, possédant les titres déjà, puisqu'il y a déjà des titres jeunesse qui existent. On sait évidemment qu'il y a déjà eu des succès en jeunesse aussi, n'oublions pas les Bécassines et autres qui sont déjà très très présents dans la presse, mais il y a une volonté de, non pas forcément de recopier Tintin, mais en tout cas de tenter de mettre sur le marché des magazines, souvent de peu de pages. Dans les premières
initiatives sont quand même des initiatives qui concernent des magazines assez peu épais, dans lesquels on va proposer des histoires édifiantes pour la jeunesse. On est dans une bande dessinée extrêmement catholique dans la suite de ces années 20, et ça le restera pendant fort longtemps en Belgique. C'est une des choses qui a peut-être, et on pourra en reparler tout à l'heure, tué la bande dessinée belge à un moment. Et dès 1938 naît le premier grand magazine de bande dessinée en Belgique, qui est Spirou, et qui est toujours là, ce qui est assez incroyable vu le destin de tous les autres, ou presque tous les autres. Spirou est un véritable survivant, qui est né donc juste avant-guerre, avec quand même un dessinateur, Rob Vell, pour animer ce fameux petit groom, qui est français. Hein, donc il y a déjà une BD franco-belge, quelque part, ou belgo-française, on posera la question aussi. Et en 1946, après-guerre, et grâce au succès que Hergé a encore connu pendant la guerre avec Tintin, il y a la rencontre entre Hergé et un industriel, Raymond Leblanc, qui est lui-même un héros de guerre, comme on les appelle, hein, en tout cas un résistant, qui permettra à Hergé de se refaire une certaine virginité, puisqu'il a été ébranlé à la sortie de la guerre pour avoir participé au soir volé. Et ce magazine... Pour avoir collaboré, c'est toi qui le dis. Non, mais collaborer il n'a pas été au soir. Voilà. Oui, voilà. collaborer au soir volé, mais il n'a pas été condamné pour collaboration. Avec un album qui est formidable, qui s'appelle L'étoile mystérieuse, et qui, dans le contexte de la guerre, devait avoir une résonance qui devait en faire rire beaucoup. Voilà. Il faut quand même le dire. Hein. Il faut le dire. Et après ça, il a corrigé quelques cases pour que ça passe mieux. Et c'est vrai que Raymond Leblanc a été son blanc-seing, puisque voilà, ses copains qui travaillaient avec lui dans le soir volé, eux... Eh ben, notamment Jacques Van Melkebeek, qui était le rédacteur en chef de Tintin, mais ne pouvait pas montrer, il ne pouvait pas signer, il ne pouvait pas exister. Parce qu'il Van Melkebeek a été condamné, lui, à la prison, hein, en 1949, si je ne me trompe pas. Voilà. Et donc en 1946, naît le fameux magazine Tintin, grand concurrent du magazine Spirou, et qui, grâce à la fois à la vision de Raymond Leblanc au fait d'avoir créé la direction artistique et de l'avoir donné à Hergé, va connaître un véritable succès d'emblée, avec les signatures qu'on connaît. On va avoir toute une génération qui, pour ceux à qui ça dit quelque chose, qu'on va appeler l'âge d'or de la bande dessinée belge. Juste ici en face, au Centre Léni Bruxelles, il y avait eu une exposition il y a 2 ans là-dessus. On va compresser un peu l'histoire. Tout ça pour amener quoi ? Pour vous dire qu'en fait, à ce moment-là, la bande dessinée, on ne l'appelle pas franco-belge, c'est la bande dessinée belge. Dans les années 50 et 60... Avec quelques Français quand même. Il y a des Français, mais tout se passe... L'épaule de la création se passe en Belgique. Et les dessinateurs français viennent en Belgique pour travailler, pour apprendre, pour se confronter aux grands auteurs que sont effectivement Franquin, par exemple, assez rapidement, mais que sont Maurice, que sont Peyot, etc., qui ont tous des assistants dans leur studio, qui viennent travailler, apprendre à faire des décors pour eux, apprendre à avoir leurs propres pattes, et qui, peu à peu, vont voler de leurs propres ailes, comme Valtteri ou d'autres, quitter le maître et avoir leur propre série, le but ultime étant pour chacun d'avoir une grande série qui marche dans un des deux magazines. Ce modèle, évidemment, n'est pas un modèle qui pouvait perpétuellement se répéter, et il va évidemment se confronter à des premières crises à la fin des années 50, avec le départ assez tonitruant de Goscinny, qui retourne en France et qui crée ici en France le magazine Pilote, et puis surtout dans le milieu des années 59. Le milieu des années 70, on voit émerger, alors dans la foulée de mai 68, une nouvelle scène après l'écho des savanes qui était un peu avant, qui est plus une scène où il y a une libération sexuelle. On a Métal Hurlant, bien entendu, en 75, et en 78, le magazine à suivre qui, sur les traces de Pratt, va inventer ce qu'on appelle le roman graphique franco-belge ou français, parce que c'était quand même la rédaction était à Paris, même si l'éditeur était belge. Et peu à peu, on voit cette bande dessinée devenir non seulement d'abord franco-belge, mais de plus en plus française, à tel point qu'aujourd'hui, la plupart des éditeurs dits belges, qu'il s'agisse de Casterman, de Dupuis, du Lombard, Dargaud était un éditeur français au départ, sont devenus des éditeurs sous la coupe de grands groupes, généralement transnationaux, mais avec une dominante française, et un siège toujours à Paris. Voilà. Donc ça, c'était un petit résumé. Après, je vous jure, moi, je me tais. Le siège de Dupuis est toujours à Marcinelle.
Le siège du Puy est toujours à Marcinelle, mais le siège décisionnel du groupe ne l'est pas. Oui, bien sûr, mais il y a des bureaux à Paris. Voilà, donc c'était pour vous brosser un petit portrait de cette irruption d'un monde de la bande dessinée franco-belge qu'on a l'air de trouver comme quelque chose qu'il ne faut pas remettre en question. Tout le monde parle de la BD franco-belge, alors que certains auraient pu d'abord dire belgo-française. Le terme franco-belge, Bernard, tu en parlais tout à l'heure, il est venu du fait que le succès d'Astérix était tel au moment où Goscinny est parti créer Pilote, qu'on ne pouvait plus nier le fait que le plus grand titre de bande dessinée n'était pas belge. Je pense que ce n'est pas exactement ça que j'essayais de dire tout à l'heure. Donc, je pense que le terme franco-belge est né un petit peu après. En fait, il y a le départ de la bande dessinée belge, c'est les journaux de Tintin et Spirou qui se situent en Belgique. Et donc tous les dessinateurs viennent là pour publier. Et effectivement, il y a des auteurs français, comme notamment Tibet, qui est un Français qui va faire Chilbil dans Tintin, ou Uderzo commence à travailler aussi chez Tintin. Et puis, il y a un moment donné où il y a une forme d'exode qui est due à une forme de sécession d'un auteur qui n'est pas n'importe qui est Goscinny. Et on va dire, les Français ne se rendent pas toujours compte à quel point ils sont redevables à Goscinny. Goscinny a été le premier scénariste qui, par une lutte un peu syndicale d'ailleurs, où il demandait simplement d'être payé en tant que scénariste, à l'époque on ne payait pas les scénaristes, c'était presque la discrétion du dessinateur qui décidait, et c'est Franquin le premier qui a dit « Je veux que mon scénariste ait son nom ». Et donc progressivement, il a pu avoir son nom, et puis après ça, avoir des droits d'auteur. Mais toujours est-il qu'à ce moment-là, Goscinny était le scénariste de Lucky Luke, qui était quand même la série la plus rentable de Dupuis, et il a exigé des droits, voilà, un peu plus de droits. Et comme ça ne se passait pas, il y a eu une forme de complot, et là, tous les témoins de l'histoire sont morts, on ne saura jamais la vérité. Toujours est-il que même 15 ans après, quand moi j'étais chez Spirou et quand je suis arrivé, on en parlait encore comme d'une forme de traîtrise. Et donc comme le fait que, ben voilà, ils étaient partis et que c'était assez terrible, quoi. Parce que la Belgique, ou les deux grands journaux qui avaient cette position prédominante, avaient aussi l'arrogance qui va avec, toujours, quand on occupe le marché, on ne supporte pas qu'on vous quitte. Et donc, Goscinny est parti en France et il est allé convaincre Georges Dargaud de faire un journal avec ses copains. Il y avait Charlier qui est belge d'ailleurs. Il y avait Goscinny, Uderzo, et ils ont commencé avec Astérix et Lucky Luke un peu plus tard, puis Blueberry, etc. Et donc, ça a lancé Pilote. Et le grand génie de Goscinny, c'est qu'effectivement, il représentait à peu près... dans les années 66, je crois que c'est le moment où ça explose, à ce moment-là, il représentait, je crois, 50 ou 60% des revenus nets de l'entreprise Dargaud. Donc il avait tout pouvoir décisionnel, il était à la fois auteur, mais en même temps, il était la personne qui ramenait de l'argent et qui décidait. Il était directeur de rédaction, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Et il a l'intelligence d'ouvrir les portes à un autre type de bande dessinée en s'inspirant de lui, de ce qu'il avait vécu aux États-Unis, Mad, et donc de créer un journal Pilote qui ait une part d'actualité en ouvrant à toutes les mouvances de l'époque, 67, 68, ça va arriver, et tous les auteurs qui vont arriver pour essayer de... le mouvement hippie, quoi. Et oui, puis il y a tous les gars de Harakiri, Charlie Hebdo, qui a eu une interdiction, qui ont débarqué chez Pilote pour bosser. Donc il y a eu Cabu, Reiser, etc., qui ont travaillé aussi dans Pilote. Enfin, il y a des espèces d'histoires comme ça. Les premières parties, c'est vrai, c'est Gottlieb, Bretéché. Non, mais je parlais pas de ceux qui partaient, je parle de l'espèce de mélange, parce qu'on a à la fois Astérix et Reiser qui ont bossé dans le même journal, sous le même rédacteur. Ah oui, tout à fait. Disons que historiquement, il y a Pilote qui fait un carton avec Astérix, qui est vraiment un journal au départ extrêmement traditionnel, qui un peu est en regard de Spirou et de Tintin. Moi, j'ai rencontré Bretéché dans le début des années 70. Elle me racontait que, pour elle, dans les années 60, là où ça se passe, de place to be, c'était Spirou. C'était vraiment là qu'était l'avant-garde. Elle a publié, d'ailleurs, elle a commencé par publier dans Spirou. C'est assez marrant, naufragés avec Covin. Ouais. Et chez Pilote, où effectivement, il y avait cette domination d'Astérix et des séries classiques, vraiment extrêmement classiques, il y a Gottlieb qui apparemment ne se trouvait pas son compte, et ils ont fait l'écho des savanes, et ça a été ça. C'est vraiment la révolution, c'est la première révolution, c'est le truc qui sort complètement la BD de son cadre. Pourquoi ?
Parce que jusque-là, la bande dessinée, c'est uniquement pour les enfants. C'est vraiment la définition de la bande dessinée. La bande dessinée, c'est des petits Mickey. C'est né avec la guerre, parce que pendant la guerre, jusque-là, les gens lisaient beaucoup de BD, mais de la BD américaine. Pendant la guerre, les journaux n'arrivent plus. Et donc, assez logiquement, les instances ici vont commencer à publier eux-mêmes des journaux et à fidéliser un lecteur. Après la guerre, ils vont continuer, ils sont contents, ils ont envie de continuer. Et il se fait qu'il y a une histoire de loi sur la jeunesse qui favorise plus l'édition en Belgique qu'en France. Et donc, les journaux Tintin et Spirou se fixent en Belgique. Et ils naissent là autour d'Hergé, et puis autour de Spirou, qui est quand même le plus ancien, avec ce personnage de Spirou, détenu par Franquin, et tous les copains autour. C'est-à-dire Franquin, Peyot, mais Jigé derrière, parce que Jigé est le premier dessinateur de Spirou, dans le sens qu'il l'investit. Rob Vell, finalement, on ne sait jamais quelle influence il a eue à part la création. Tandis que Jigé, c'est vraiment l'école Spirou. Et il va lancer cette idée de la bande dessinée humoristique pour enfants. Et donc, la bande dessinée n'arrive pas à sortir de cette histoire pour enfants. Et l'écho des savanes arrive, je ne sais plus si c'était en 67 ou 68, j'en sais rien. Mais moi, j'étais dans un collège de jésuites. Et à ce moment-là, j'avais même pas 11 ans ou 12 ans, je ne sais plus. Et on voit arriver ça, ce machin qui se distribue en dessous des manteaux. Et on trouve ça extraordinaire. La première BD de Gottlieb dans l'écho des savanes, c'est un type qui est sur les toilettes et on n'entend que des bruits de vent, de proutes, de pètes, etc. Et ça dure 5 pages. Et on trouve ça, à tomber. C'est révolutionnaire. À 11 ans, c'est formidable, ce genre de gag. Extraordinaire, voilà. Il y a effectivement aussi Brett Eché, puis Amandrika, et puis voilà. Et l'écho des savanes est parti. Et Goscinny, à l'intelligence, a dit, oula, il se passe quelque chose. Il faut que je saisisse. Et il ouvre ses portes, et ça se passe. Effectivement, il y a plein de dessinateurs qui investissent. Je pense que, pour ce qu'on m'en a raconté, parce que là, moi, j'y étais pas à Paris à ce moment-là, ça se passait chez Druillet. Parce que Druillet était le plus ancien. Et donc, c'était des soirées très 68-ardes, avec on fume un pet, on rêve de refaire le monde, comme les hippies le faisaient. Et donc, on va refaire la bande dessinée. On va faire une bande dessinée pour adultes. Il faut quand même pas oublier, le mouvement hippie, le grand slogan, c'est « faire l'amour, pas la guerre ». Bon, donc, toute la bande dessinée « adulte », entre guillemets, on pourrait dire aujourd'hui un peu adolescente, naît un peu de ce mouvement hippie qui va essayer de diffuser ces images gauchistes, antimilitaristes, et surtout de libération de la parole, de l'expression et du sexe. Donc voilà. L'écho des savanes interprète ça, et à la suite de ça, Pilote essaye, mais bon, ils sont coincés un peu dans l'actualité. Les dessinateurs, je ne sais pas pourquoi... En 68, il y a une fameuse réunion dont tout le monde parle, auquel je n'y étais pas, et qui s'est très, très, très mal passée pour Goscinny, et qui a fait qu'après, il n'a plus jamais voulu rencontrer les dessinateurs. Il paraît qu'on aurait voulu le jeter par la fenêtre. Les jeunes dessinateurs étaient là, ils avaient le sang qui bout, les hormones, que sais-je. Ils voulaient changer le monde, et ils trouvaient que quand même, Goscinny, il était un peu des deux côtés. C'était celui qui faisait bouffer, mais c'était la bande dessinée. Pour voir le tableau aussi, je veux dire, c'était toute une bande, effectivement, de gars, cheveux longs, jeans, machin, pour voir la tête qu'ils avaient. Et ils avaient en face d'eux Goscinny, qui était un type vraiment adorable, mais en costard-cravate, années 50. Et donc ça a vraiment été la scission, quoi. Et enfin, moi, je me souviens de Brett Eché qui raconte ça. Et elle était un peu gênée parce qu'elle aimait beaucoup Goscinny. Mais il y avait vraiment eu ce mouvement de cassure. Ça... Et je me demande si l'écho des savanes n'a pas été créé après, justement, cette fameuse réunion, cette espèce de procès stalinien de Goscinny. C'est plus tard. C'est le tout premier, hein. C'est plus tard, okay. Oui. Il me semble c'est un tout petit peu avant Métal, 3 ans avant Métal. Alors c'est peut-être... Non mais les premières... C'est Charlie, alors non, c'est... comment dire. Et puis il y a Eric Losfeld surtout qui publie des choses absolument scandaleuses. Mais c'est plutôt le journal Harakiri, quoi, qui a quand même... Ce qui me fait rire, c'est que vous êtes en train de refaire la bande dessinée française au lieu de la bande dessinée. On est en train de poser des Français. Je n'ai rien dit, moi. En même temps, j'ai rien ajouté. Tout ce truc, c'est pour simplement montrer ce qu'on appelle la bande dessinée franco-belge. C'est à un moment donné les Français qui ont défini ça sur la bande dessinée pour enfants, et ils ont englobé franco-belge parce que c'était les gros succès commerciaux pour enfants. Et eux, ils voulaient se distinguer de ça. Et donc,
C'est vrai que moi, je commençais la BD, c'était en 71. J'ai commencé à publier dans Spirou, j'avais 14 ans ou 15 ans. 15 ans, ouais. Et puis après ça, j'étais à Paris, etc. Il y avait un véritable climat anti-belge. Belge égale succès commercial, mais dans le sens le pire qu'on puisse dire dans ces années-là, c'est-à-dire de la soupe populaire. Le truc Hergé était extrêmement mal vu à cette époque-là. Disons-le clairement, aussi, brûlé. Je me suis fait traiter de petit comte belge, par exemple, par Tardy. C'est marrant. Avec leur recul, depuis je le vois, il n'y a pas de souci, je m'entends très bien avec lui. Tous les Belges ont des histoires comme ça avec les Français. Hein. Voilà. Et donc, il y avait une émission qui était faite par Philippe Manœuvre, qui était le second de Métal Hurlant dans les années 76, et qui s'appelait Les Grandes Manœuvres, et ça se passait à 1h du matin. Et il y avait Manœuvre qui disait... Parents, méfiez-vous des bandes dessinées belges, ils vous polluent l'esprit, ils vont vous manger. Voilà, c'était de cet ordre-là, dans une emphase propre à Philippe Manœuvre, avec ce côté exubérant, mégalo, café métal hurlant, et qui représentait cette forme de volonté d'affirmation pour se dire, nous, on n'est pas belges, on n'a rien à voir avec ça, nous, on fait de la bande dessinée adulte, intelligente, etc. Et donc, le terme franco-belge naît de là. En même temps, en Belgique, à ce moment-là, les Belges... Je vais raconter juste une anecdote, puis je les laisserai parler, parce que je me rends compte que je parle beaucoup, c'est vrai. C'est très intéressant, moi j'aime beaucoup. Continue. J'ai voulu faire de la bande dessinée, et j'ai rencontré un type que tout le monde a oublié, qui s'appelle Jean-Marie Bruyère, mais mon père était un grand journaliste en Belgique, et ma mère était très haut fonctionnaire dans la culture, c'est-à-dire juste en dessous du ministre, donc ça veut dire que c'est elle qui décidait tout globalement, c'est elle qui fait les lois. Quoi. Donc c'était voilà, des intellectuels de la culture, et... Bon, assez, et je leur dis que je veux faire de la bande dessinée. Moi, je suis au collège Saint-Michel, qui était un collège de jésuites. Bon, c'était pas vraiment le truc. Et il me dit, écoute, tu fais ce que tu veux, mais je veux que tu rencontres Hergé, d'abord. Si tu veux faire de la BD, il faut que tu ailles voir Hergé. On connaissait Hergé. Hergé venait de temps en temps, rarement, à la maison, parce que mon père était journaliste. C'était un journaliste catholique, que Hergé était catholique. Donc voilà, rendez-vous avec Hergé. Au même moment, moi, je connaissais Jean-Marie Bruyère et j'étais entré dans la rédaction Spirou. J'étais un peu la mascotte, quoi. J'avais 14 ans, 15 ans, c'était l'époque hippie. Jean-Marie était un vrai hippie, il avait les cheveux longs, il me faisait découvrir le LSD, il me faisait des choses comme ça, des choses amusantes pour quand on a 14 ans. Oui, à 14 ans, oui, tout à fait. Intéressant. Et ma mère le trouvait formidable, formidable. Mes parents étaient en pleine révolution sexuelle, parce que ça se passe d'abord toujours dans les élites, comme ça. Et donc je me rappelle qu'il y avait les premiers ministres qui venaient à la maison, mon père faisait un brunch comme ça, c'était tout nouveau, les brunchs, et on mangeait un truc qui était vraiment révolutionnaire. Pour faire jeune, c'était du boudin, du boudin compote. C'était extraordinaire, voilà. Et donc ils essayaient de faire jeune, et donc mes parents, voilà. Donc Jean-Marie, il ne comprenait pas, c'était tellement loin d'eux qu'ils ne pouvaient même pas imaginer ce qui se passait avec moi. Bon, moi je le suis, je suis ça. On me présente à Hergé, je vais voir Hergé. L'entrevue est assez décevante, j'avoue. Je n'ai pas envie de m'étendre là-dessus. Mais au sortir de là, Hergé, c'était ce studio, c'était Avenue Louise, et c'était, disons, à 200 mètres de la rédaction Spirou. Et donc, au sortir d'Hergé, je vais au café Le Manderlé, qui était le café de la rédaction Spirou, qui, pour donner l'ambiance... Hergé, c'était col cravate, vous voyez ce que je veux dire, hein, un peu stiff, et il y avait des secrétaires et tout, etc. C'est langage policé et tout. Et on arrive chez Spirou et la rédaction est transférée au bistrot du coin qui s'appelle le Manderlé. Et là, il y a Martens, qui est le rédacteur en chef de l'époque, qui fait à peu près 2 mètres, qui est large à peu près autant, et qui sert des bières à tous ceux qui sont là. Qui est là? Franquin, Roba, Jean-Marie, forcément, et on m'intègre évidemment dans la bande. Donc je sors de chez Hergé, j'arrive chez Franquin et je lui montre mes planches. Et il me parle d'une manière qui n'a rien à voir avec celle d'Hergé. Après ça, il rebat, etc. La BD, à ce moment-là, la BD belge, c'était ça. Hergé, Franquin, à 200 mètres, pas du tout le même discours. Et Franquin qui parle au bistrot, qui est un peu sous, moi aussi. Alors là, moi, le premier soir, c'est le rédacteur en chef qui m'a ramené chez mes parents. Après avoir été chez Hergé, c'était pas mal, c'était drôle. Je ne tenais plus debout. Hein. C'est-à-dire, j'avais été avec le rédacteur en chef de Spirou, je ne tenais plus debout. Bon, voilà. Et ce que m'a dit Franquin ce jour-là, je me rappelle encore, et c'était brillant. Après ça, forcément, j'avais 14, 15 ans, le rédacteur en chef me connaissait, je suis retourné, j'ai publié les cartes blanches, les petites histoires complètes et tout. Et bon, ben, je faisais partie de la famille Spirou.
J'ai été voir l'éditeur qui, qui peut être une forme de grand-papa qui vous couvait, qui faisait un dîner par an pour inviter tous ses auteurs en disant « c'est merveilleux, ces artistes et tout ». La moitié était bourrée, était parfois à quatre pattes, ne reconnaissait plus Charles Dupuis, lui demandait de les reconduire comme si c'était un taxi. Des anecdotes invraisemblables sur les rapports à ce moment-là. Et à côté de ça, il y a la rédaction qui, malgré tout, toutes les semaines, sort son journal et donc publie. Et parfois, c'est vrai, les réunions se font au bistrot, dans des états seconds. Mais bon, quand on a un problème, on téléphone à Franquin. Voilà ce qui se passe. On va demander à Franquin. Ce n'est pas le rédacteur en chef qui téléphone directement. Il demande à Dupuis et Dupuis lui dit « il faut demander à Franquin ». Franquin passe son temps à dire « oh, moi, je ne vais pas me mêler tout ça, etc. » Mais Franquin donne quand même son avis. Et donc, quelque part, le directeur artistique de Spirou, à ce moment-là, l'école, c'est Franquin, et c'est lui qui va faire Spirou. C'est une évidence. Il y avait parfois son interprète qui était Delporte, mais globalement, toute la bande dessinée, l'école de Marcinelle, le chef de file, je dirais incontesté, mais qui n'a jamais voulu l'être lui-même, c'est Franquin. Justement, je pense qu'il est temps de passer la parole à Baptême, parce que toi, ça a été plus que ton rédacteur en chef. D'ailleurs, je vais rebondir sur ce que dit Bernard, parce que c'est d'autant plus étonnant que j'avais un jour discuté de Franquin, de rédacteur en chef, de directeur artistique, et il a dit « moi, je serais bien incapable de faire ça ». Et je lui ai dit « mais si, aujourd'hui, moi, si j'étais rédacteur en chef, je choisirais tel ou tel ». Il me dit « tu vois, on n'est déjà pas d'accord ». Donc c'est assez surprenant. Donc ça rejoint exactement ce que tu disais. Quand j'ai publié la première BD Bidouille, c'était quatre pages dans Spirou, il m'a téléphoné. C'était, je peux dire que j'avais les jambes qui tremblent. Franquin, c'était le dieu pour moi. C'était vraiment le génie. Et oui, comme tu dis. Il m'a téléphoné, et alors je me rappelle bien du dialogue. Il dit, ouais, j'ai lu, c'est bien, etc. Puis après ça, on s'est beaucoup vu pendant toute une période et tout. Et il me dit, ouais, j'aimais pas trop les couleurs. Et puis ma fille, elle m'a dit, ah ouais, c'est bien, donc bon, je lui fais confiance. Voilà. Donc les couleurs aussi, c'est bien. À constater, hein. Oui. Bon, moi, ma rencontre avec André Franquin, si je me permets, est un peu différente, si ce n'est qu'effectivement... Moi, je n'ai pas connu cette époque. J'ai continué à parfaire ma lecture en lisant Spirou, le journal de Spirou, puisque mon papa y était abonné, et j'ai adoré d'entrée de jeu toute cette bande dessinée, dite Grenet, familiale, plutôt commerciale, il faut le reconnaître, mais j'ai jeté mon dévolu directement sur André Franquin. Et mon livre de chevet est un petit bouquin qui avait été écrit par Philippe Van Doren, qui a été un des rédacteurs en chef du journal de Spirou, et qui s'appelait « Comment on devient créateur de bande dessinée ». J'en ai fait mon livre de chevet. Qui était chez Marabout à l'époque, maintenant est réédité chez Nifl. Voilà, et évidemment, c'est un bouquin extraordinaire. Ma première élocution, quand je me suis adressé à mes copains de classe, j'avais 13 ans, j'avais tout pompé. Je me suis présenté devant la classe et je leur ai dit « Voilà comment on devient créateur de bande dessinée ». Et c'était... Et un jour, j'ai entendu parler d'une réunion, d'une journée porte ouverte chez Dupuis. J'ai demandé à mes parents si je pouvais aller jusque Marcinelle avec mon petit vélo. Je connaissais la tête d'André Franquin, il était photographié dans ce bouquin. Et je me suis précipité à Marcinelle, j'ai tapé mon vélo dans un fourré, et quand j'ai vu arriver Franquin, je me suis précipité sur lui pour le rencontrer. Et au moment où j'allais l'atteindre, j'étais attrapé par l'encolure, on m'a mis dehors, c'était une journée porte ouverte pour les professionnels. Donc c'est mon premier rendez-vous manqué avec André Franquin. Et puis le temps a passé, puis je suis allé à Saint-Luc où j'ai découvert une autre bande dessinée. Forcément, moi j'étais effectivement à suivre plus ce Fluide Glacial, évidemment. Et il y a beaucoup d'auteurs à ce moment-là français. Et quand on fait des études à Saint-Luc, on s'oriente vers une bande dessinée dite plus adulte, et j'ai une formation d'illustrateur, donc on s'en éloigne un tout petit peu. Mais quand bien des années plus tard, enfin pas tellement d'ailleurs, 6 ans plus tard, on m'appelle en me disant j'ai entendu parler de vous par le biais de votre professeur de bande dessinée dans une petite académie à Châtelet. La CEP, qui était une société sœur des éditions Dupuis, cherchait un jeune dessinateur pour travailler sur un projet de dessin animé Marsupilami. Voilà, même à l'insu d'André Franquin. Et pendant tout un temps, j'ai travaillé sur des projets de bibles graphiques. On avait rassemblé sur ma table à dessin, là j'étais dans un petit atelier, un petit studio, de magnifiques illustrations faites par Will. Il y avait des dessins de Westerlin, des dessins de Conrad, il y avait des textes d'Yvan Delporte et des dessins sur Cello ajoutés de Franquin. Et au départ de tout ça, j'ai dû reconstituer une bible graphique et je me suis initié progressivement au Marsupilami, même si je revenais à mes premières amours, puisque gamin, je dessinais comme ça. C'était vraiment mon école préférée. Et évidemment, André Franquin, un jour, était confronté à ces dessins. Et là, ça a été ma véritable rencontre avec André Franquin, dans cette grande salle de réunion à la CEP. Grande table, avec tous mes dessins posés sur cette table, et tous les différents responsables de département, parce que la CEP s'occupait des droits dérivés de tous les personnages de chez Dupuis. Donc, il y avait le responsable
département merchandising, audiovisuel, audio, replacement, évidemment le patron, M. Monique Ndam, André Franquin et moi. Au moment où je rentre, tout petit, hein, comme ça, et je vois toute cette assemblée et tous ces dessins alignés, je suis honteux, je ne les vois même pas parce que la table est plus haute. Je suis vraiment revenu vraiment à ma propre dimension. Et André Franquin me dit, avec sa voix grave, mais c'est très bien tout ça, mais c'est absolument pas comme ça que je vois les choses. Donc il me donne une petite claque, mais en même temps il me dit, mais vous ne devriez plus traîner trop longtemps ici. Et alors là, ça a trahi, je lui dis, mais il veut... Je me demande encore aujourd'hui s'il voulait dire que j'avais la possibilité et suffisamment de capacité pour faire de la bande dessinée comme indépendant, ou s'il savait déjà qu'un an plus tard, un éditeur allait m'appeler, me prendre rendez-vous avec moi et me demander si j'étais d'accord de dessiner les aventures du Marsupilami comme personnage à part entière parce que Franquin avait pensé à moi. Ça, je ne le saurais jamais. Toujours est-il que le 4 ou le 5 janvier 1987, j'ai eu un coup de fil d'André Franquin qui m'a téléphoné de sa maison du Midi de la France, à Caillan, me disant, voilà, Luc, est-ce que vous, parce qu'il me voyait à l'époque, vous êtes content? Et j'ai commencé à faire mes premiers bons de Marsupilami au bout du téléphone. Et c'est comme ça que le conte de fées a commencé. Voilà, je n'ai pas baigné dans cette rédaction. Je le regrette bien d'ailleurs, parce que maintenant que je suis de retour chez Dupuis, je n'ai pas vécu j'ai pas l'occasion de vivre cette aventure, cette ambiance familiale, cette ambiance de rédaction. Ça, j'en aurais rêvé. Mais bon, ça s'est passé différemment. C'est une histoire triste, en fait. Tu sais. Flore, elle a connu la rédaction, mais beaucoup plus tard. Mais j'ai pas vraiment connu la rédaction, mais j'ai eu la chance de débarquer effectivement dans Spirou à un moment où le rédacteur en chef était Olivier Van Varenberg, qui avait condensé son nom en OVV, parce que justement pour les Français c'était un peu pénible. C'était compliqué à lire. Et en fait il y avait une ambiance un peu justement, sans doute très belge, mais très ouverte. Et justement OVV, moi il m'a vraiment fait démarrer quoi. J'ai débarqué avec mes premières histoires, avec mes premiers scénarios. Il m'envoyait des tartines de 2-3 pages pour des histoires de 5-6 pages. Tu as amené quelques images d'ailleurs, je pense. Juste une image de ça. De tes débuts. C'est pas exceptionnel, mais voilà, c'est les vrais. OVV avait véritablement recréé une bonne ambiance à la rédaction. Il y avait une super ambiance. Mais bon, moi, c'était par mail. J'habitais pas à Bruxelles à l'époque. Mais il y avait. C'était en 2007, 2008, par là. C'était à l'époque. Oui, il se déplaçait beaucoup, il allait voir les auteurs. Il n'est pas resté longtemps d'ailleurs. Oui, non, malheureusement. Il est journaliste aujourd'hui, spécialisé en bande dessinée et éditeur aussi d'un petit collectif qui s'appelle Coiffeur pour Dames, pour ceux que ça intéresse. Donc c'est quelqu'un qui est toujours dans la bande dessinée, qui est très actif d'ailleurs. Je ne sais pas moi. Ah, c'était très moche, mais. On peut. Ah voilà. Voilà. Alors ça, c'est. Voilà, ça, c'était mes premières histoires dans Spirou. Et peut-être que c'est très franco-belge, je ne sais pas, mais. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas Flore Balthazar, voici quelques-unes de ces images. C'est bien que tu puisses les présenter, parce qu'on a finalement. Zapper la présentation. Les deux premiers albums avec Franck Le Gall, tu peux peut-être monter les couvertures qui sont parues chez Dupuis, sont dans une facture quand même très classique. Hein, voilà, ça, c'est chez Dupuis. Ouais. Bah, ça reste quand même très, très franco-belge. Moi, je trouve que oui. Et puis, ton dernier album, comme ça, on montre ce que tu as déjà fait. Là, on vient de l'avoir d'ailleurs, Frida Kahlo. Donc, c'est un album sur Frida Kahlo. C'est le dernier. Mais moi, je suis dans une position, je suis un peu entre deux chaises. Justement, la BD franco-belge, qu'est-ce que ça veut dire pour quelqu'un comme toi, qui est arrivé quand même à la BD par Spirou, qui a commencé dans Spirou. Je suis né à 15 km à vol d'oiseau de chez Spirou. En plus, tu es et d'ailleurs, de chez Dutroux, parce que c'est pas très loin. C'est assez proche de Marseille. C'est deux choses qui m'ont marqué pendant ma jeunesse. Mais est-ce que ça a du sens on de va parler dire, de... plutôt Spirou. Ça a du sens de parler de BD franco-belge aujourd'hui ou de parler de Mais moi, je réfléchis. En tout cas, à l'époque, je réfléchissais pas du tout comme ça. Mais simplement, quand on est un petit Belge ou une petite Belge et qu'on dessine, le seul truc qui est logique, c'est la BD. Et moi, j'ai baigné, enfin, j'avais la bibliothèque à côté de chez moi, j'empruntais 6 BD par jour. J'ai lu à peu près tout ce qu'ils avaient. Et voilà, il y avait Marcinelle, enfin, donc Spirou pas loin, Franquin qui habite à Bruxelles. Et mon papa m'avait dit que je devais lui écrire, et finalement, je ne l'ai jamais fait. Et je l'ai bien regretté en 96, je pense, quand il est décédé. Et voilà, c'était juste normal de se projeter là-dedans, mais je ne réfléchissais pas du tout en termes de français ou de belge. C'était plus en termes de Hergé ou Franquin. Voilà, est-ce qu'on devait encore se positionner à l'époque où tu as commencé, pour ou contre
Hergé et Franquin, ou en tout cas savoir où on était entre les deux. Moi, je ne l'ai pas ressenti comme une opposition très virulente, mais il y avait effectivement les deux écoles. Et graphiquement, je suis plus Hergé, on va dire. Enfin, j'ai appris plus de choses chez Hergé, en tout cas. Mais dans l'esprit, évidemment, le côté pacifiste, le côté... ouais, peace and love, riche, généreux, etc. Je suis quand même plus ambiance Spirou, Franquin. Mmh. Voilà. Moi, mon idéal, en tout cas, quand j'ai démarré dans Spirou, c'était surtout Peyo, qui est peut-être une synthèse entre les deux aussi, avec une ambiance... graphiquement, Peyo est quand même beaucoup plus ligne claire que Franquin, quoi. Il est resté très, très linéaire. Je pense à... Ce qu'on peut se demander, c'est si finalement, peu importe les noms qu'on met derrière, mais tout ça, c'est quand même l'âge d'or de la bande dessinée belge, que ce soit Peyo, Maurice, Franquin, on peut en citer d'autres, il y a encore Will, bien qu'il ait été peu imité, il y a Jacobs, il y a Hergé de l'autre côté, il y a Jacques Martin. Est-ce que finalement, tous ces noms, toutes ces deux écoles, à un moment, n'ont pas été presque étouffantes pour ceux qui voulaient démarrer dans ce métier? Mais elle a d'abord été étouffante pour ceux qui étaient déjà là, avant nous. Je pense que pendant toute une période, si j'ai bien compris, mais Bernard confirmera ou affirmera, beaucoup de jeunes auteurs dans les années 70 débarquaient à la rédaction avec des projets et on leur disait, il faut faire comme ça. Et il y a beaucoup d'auteurs qui ont été amenés à faire comme Franquin. Et c'est ça, je pense que ça venait plutôt de Charles Dupuy. Et eux ont probablement été un peu cadenassés. On sait que Franquin a été très malheureux de voir l'arrivée des petits hommes de ce rond. Oui, je pense. Il ne le disait pas. Mais il ne le disait pas, mais non. Voilà, c'est de notoriété publique. Après, quand je l'ai rencontré, que nous avons été plus intimes, il m'a fait quelques petites réflexions, effectivement. Mais il n'allait pas... On ne pouvait pas en vouloir à ce rond. On l'avait invité à travailler comme ça, véritablement. Puis alors maintenant, pour rebondir aussi sur le propos, c'est que quand on nous demande est-ce qu'on n'a pas été étouffé, moi... Quand j'ai débarqué tout au début des années 80 à la rédaction Spirou, que j'ai présenté mes premières planches, c'était une 25 pages humoristiques au pinceau, à l'époque c'était Thierry Van Doren, en 3 mois il me faisait travailler sur une bande dessinée réaliste au Rotring. Et je me suis dit, tiens, il est en train d'essayer de manipuler, et en même temps je me suis dit, mais il a peut-être raison. Et ça m'a donné la possibilité de m'essayer à la bande dessinée réaliste. Je me suis beaucoup amusé à confectionner des dossiers. Mais dès que je m'attaquais aux planches, je m'y ennuyais un peu. Donc je ne peux pas renier... vraiment ce que j'avais en moi. Et je n'ai pas dû me forcer énormément pour reprendre le marsupilami. Je n'étais pas fait pour ça, évidemment, parce que je ne suis pas Franquin, je ne serai jamais, heureusement pour lui, malheureusement pour moi, ou même pas d'ailleurs. Mais je sais que beaucoup d'auteurs, à ce moment-là, avaient la chance, parce que Philippe Van Doren, même s'il avait un côté un peu jésuite, comme on dit, était quelqu'un de très intelligent et pouvait essayer d'ouvrir d'autres portes. Je sais bien que il a fait un Spirou exceptionnel qui a influencé beaucoup de gens, dont moi, parce que c'était justement l'époque Isler, le gars avec qui j'ai travaillé. Nous, c'était De Keuch. C'est De Keuch. Oui, mais enfin... Van Doren, c'est après, et c'est le fossoyeur de Spirou, à mon avis. Donc vraiment, je peux pas... Ok, ça se discute. Enfin, moi, je pensais... Je n'ai pas connu ces gens, donc ce n'était pas pour parler de façon personnelle. C'était pour dire que, voilà, le Spirou des années 80 m'a influencé. Et il y a cette ligne... Je termine. Il y a cette ligne, donc, Isler, Dodier, Yannick Conrad... Berthem, c'était plus tard. Franck Peu, c'était un de mes autres grands petites divinités qu'on met dans son hôtel personnel. Voilà, Franck Peu, c'était ça. Et je sais plus ce que je voulais dire, mais tout ça pour dire que voilà, il y a eu cette espèce aussi de, je pense que c'était une bonne charnière entre un esprit très justement franco-belge, comme on disait tout à l'heure, Grenet, machin, etc. Et là, ça a été la charnière vers la bande dessinée franco-belge, en tout cas implantée en Belgique, qui passe à l'âge adulte, quoi, qui passe à quelque chose de plus intime. On va raconter des histoires d'amour, on va raconter des histoires où le personnage parle à la première personne. Et je pense que ça a pas mal influencé, par exemple, quelqu'un comme...
la, comment dire, diade du Puy Berbérian ou des gens comme ça viennent pas mal de cette période-là. Alors, ce qui est certain, peut-être un peu passé à la trappe. Ce qui est certain, c'est que certains des auteurs de l'association et même des fondateurs de l'association se retrouvent d'ailleurs, Lewis en est la preuve, se retrouvent très bien aujourd'hui dans Spirou et dans l'esprit de Spirou, mais se revendiquent aussi de Spirou comme lecture de jeunesse. Donc là, je pense que c'est pas une hérésie de le dire. Je crois que Bernard ici. Il y a des liens, il n'y a pas. Ce qui est intéressant, moi, je vois pas ça comme des séparations. Que Bernard raconte dans quel contexte, en fait, ce basculement a eu lieu, parce que. C'est assez compliqué. Il ne faut pas que ça prenne 3 heures, parce que ce n'est pas l'objet ici. Mais non, c'est vrai que c'est un peu la réponse. Pas régler les comptes à des morts ici. Non, mais c'est un peu la réponse à un moment de Spirou, justement, au fait que tout à coup, tout s'en va ailleurs. Que ça se passe ailleurs, ça se passe ici à Paris, c'est ici que naissent les nouvelles initiatives, c'est ici qu'on voit que ça bouge et qu'à un moment on ne peut pas rester tout seul dans le train du franco-belge à regarder Franquin et Hergé dans le blanc des yeux. De toute façon, à ce moment-là, Hergé ne publie plus, Franquin de moins L'héritage en moins. L'héritage de Franquin et d'Hergé, veux-je dire. Oui, je suis d'accord, mais Hergé ne publie plus, il fait plus partie des gens qui travaillent, qui montrent quelque chose, c'est ça. Et le drame de Spirou dans les années 70, parce que c'est ça le grand tournant, c'est que la bande dessinée française arrive en étant adulte, en rejetant la bande dessinée belge, et la plupart des Belges ne le comprennent pas. Et quand je dis les Belges, c'est tout le monde, c'est les éditeurs et les auteurs. Un des rares à le comprendre, c'est Franquin, qui, lui, a vit mal sa cinquantaine et il a envie d'être avec les jeunes. Et il va publier dans l'Écho des savanes, il va publier dans Fuite glaciale. Il va même faire des trucs à suivre. Et il va surtout faire le trombone illustré à l'intérieur de Spirou, parce que Spirou, il ne s'y sent plus. Mais pourquoi il y a ce schisme, si j'ose dire ? D'abord parce que la bande dessinée, effectivement, est pour enfants, et puis surtout parce que le marché économique des albums, ce qui commence à rapporter, et que le journal Spirou est en train de baisser, les ventes s'effritent progressivement. On croit au départ que c'est à cause des journaux, mais non, c'est parce que les albums arrivent et qu'il y a de plus en plus d'albums, et que le succès des albums fait que, à ce moment-là, les grands succès, c'est les enfants. C'est toujours la bande dessinée pour enfants. Et les éditeurs passent leur temps à dire « Oui, oui, ça, c'est des révolutions parisiennes, mais ça passera, etc. » Mais tous les auteurs, eux, par contre, ils sont plus intéressés par ce qui se passe à Paris que ce qui se passe à Spirou. Ils essayent, à un moment donné, de bouleverser Spirou, et donc Spirou va vivre des tas de révolutions internes. C'est-à-dire que Martens, c'est un peu. Il y a toujours eu deux types de directeurs chez Dupuis. Ils ont toujours alterné. Il y a le fou qui est Delporte et qui vraiment est à moitié fou. Et puis après, il y a Thierry Martens qui est un en col cravate, comme ça, presque avec des idées un peu de droite. Puis il y a Alain Decoeche qui arrive et qui lui, il fout le bordel et qui recommence cet esprit à Delporte. Et puis il y a Van Doren qui revient à col cravate et qui cadre. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que Decoeche va essayer de créer une révolution pour résister à la France, à ce mouvement d'émancipation de la bande dessinée adulte. Mais Spirou a son lectorat. Et son lectorat, c'est les enfants. Et donc, ils ont des problèmes de censure. À ce moment-là, on ne peut pas tout montrer, alors que les hebdomadaires français, ça ne les emmerde pas, que ce soit après 18 ans. Ils s'en foutent. Il n'y a pas ce problème économique. Et de toute façon, ils ne rapportent pas encore beaucoup d'argent à ce moment-là. Donc, en tant qu'éditeur, ils continuent à dire « Ah ben non, il faut faire des séries classiques ». Le rédacteur en chef, il essaye d'ouvrir. Et donc, on va essayer un certain groupe à Spirou, dont je fais partie, avec, il y a des Conrad, Franck P, etc. C'est à la fois des Français et des Belges. Yann et Conrad sont Français, ils sont de Marseille. Mais ça n'a pas d'importance à ce moment-là. Oui, mais je veux dire, la scission, elle n'est pas entre Français et Belges, elle est plutôt entre éditeurs français et éditeurs belges. Oui, plutôt. Mais c'est quand même une majorité de Belges, et ça se passe à Bruxelles. Ça se passe en Belgique, oui. Et donc, il y a un esprit bruxellois, et il ne faut pas oublier que quand nous, on fait l'animation à Spirou au tout début des années 80, ça commence en 78 et ça se termine en 84, ça c'est vraiment le moment où ça bascule. À ce moment-là, eh bien, on a une rédaction où il y a des chambres qui sont au-dessus de la rédaction pour accueillir certains dessinateurs français, dont Yann et Conrad. Et la nuit, Yann et Conrad me téléphonent, on revient à la rédaction Spirou, on fouille les dossiers et on essaye de foutre le bordel, etc. Et on commence à animer Spirou. Et donc, quand on anime Spirou, ce qui est assez étrange, c'est qu'on dit des choses qui ne sont pas très gentilles pour les autres dessinateurs. Et donc, il y a des tas de dessinateurs qui détestent les anciens, je veux dire, qui détestent ces jeunes, si j'ose dire. Et il y a donc
ce côté schizophrénique de Spirou à ce moment-là. Et ça n'a pas le succès commercial. L'apparition du trombone illustré, d'ailleurs. Il y avait déjà le trombone illustré. Il y a le trombone illustré, et le grand moment où ça bascule, c'est quand Dupuis, évidemment, va vendre. Il vend, et c'est fini. Pourquoi ? Parce que Dupuis, à lui tout seul, a résumé Spirou. C'est une boîte familiale, avec un esprit gentil, sympa, presque familial, et on s'occupe des auteurs comme d'une famille. Et puis, il y a Hachette qui va racheter, et on rentre dans un autre monde. Et la bande dessinée belge, quelque part, ne s'en est jamais relevée. Du discours paternaliste en disant « Écoute, mon petit gars, tu vas faire de la BD. Regarde ce qu'a fait Franquin. Il a mis 25 ans à vendre plus que 100 000 exemplaires. Alors toi, ne te fais pas trop d'illusions quand même. Tu vas faire ta carrière, mais lentement. Quand tu auras bien publié dans Spirou, tu auras un album. Tu auras cette chance. » C'est pas comme ça que ça se passe en France. Donc le jeune dessinateur, lui, il a envie d'avoir son album. Et donc il va partir en France. Et il y a un exode déjà d'une partie des dessinateurs, déjà qui vont aller. Ce qui est amusant, c'est que la plupart des gens qui ont mon âge et qui étaient français ont publié dans Spirou, mais n'y sont pas restés. Ils sont allés en France de la même manière que moi aussi, je suis parti en France et j'ai fait la plus grande partie de ma carrière chez les éditeurs français. Mais le moment où Dupuis va vendre, là, ça bascule. Et la bande dessinée belge, quelque part, elle est éternellement à la traîne de ce qui se passe à Paris. De toute façon, il faut quand même le reconnaître dans l'histoire de l'art, tous les grands artistes, si vous voyez l'histoire de l'art, c'est toujours dans les pays qui sont les plus riches. C'est-à-dire que si l'éditeur est français et parisien, eh bien nécessairement, la création va s'organiser autour. Donc, à partir du moment où les éditeurs, économiquement, sont devenus dire qu'on français, est des sortes de parasites et qu'on va où est le pognon. C'est pas ça, non, c'est si que ça fonctionne la ça, création vient de l'argent que certains investissent. Et donc, assez on nécessairement... On n'est pas des parasites, on est des auteurs français. Moi, je travaille pour un éditeur français. Le phare va être l'endroit où l'éditeur va réunir les gens dans une maison d'édition. Et donc, voilà, il y a un esprit qui va en être. C'est comme ça. La Belgique n'est plus le phare parce qu'il n'y a plus de ressources économiques. C'est comme ça. Voilà. Alors, ce sont toutes les maisons qui sont passées dans les mains de grands groupes, les unes après les autres. Et même Dupuis a été racheté plus d'une fois. D'abord par Albert Frère. D'abord par Albert Frère, qui est le plus grand financier belge. Et puis lui-même a revendu en 2004. Là, c'est même plus une question de franco-belge. Là, c'est une question d'européen. Enfin, je veux dire, c'est des groupes qui ont des parts partout. Absolument. Ouais. Je voudrais qu'on revienne à Franquin. Tout simplement, parce qu'on est ici juste en dessous de l'expo. Et moi, je voudrais que tu dises, par exemple, à quel point on a compris que tu étais plutôt franquinesque que RG1. À quel point, finalement, ton premier personnage, que tu peux peut-être montrer, je ne sais pas si tu as des images de Bidouille avec toi. C'est eux qui m'ont voilà. Ton premier personnage, tu l'as créé. On voit le Gaston, là, justement, c'est bien qu'on le voit. On va pouvoir voir comment de Gaston on est passé à Bidouille. Gaston, c'est que du rond. Hein. C'est un nez rond, un visage rond, des oreilles rondes, et tout est rond. Et toi, tu as proposé un personnage de bande dessinée en Spirou qui était carré. Disons que mon ambition à ce moment-là, c'était de refaire de la bande dessinée pour enfants, mais soit nouvelle. Là, on est sur sombre. Ça, c'est sombre, oui. Qui soit nouvelle et malgré tout qui ne soit pas pour adultes. Donc, c'était essayer de rénover la bande dessinée pour enfants. Et donc, Franquin me paraissait un génie de l'abstraction, puisque si on peut dire que Hergé, c'est une forme de graphisme des années 30, Franquin a quelque part parti notamment de Disney, mais il a utilisé des formes abstraites rondes principalement et il les a fait vivre. Vraiment, ça devient de la vie, du mouvement, c'était son obsession. Le reste, c'est vraiment de l'abstraction. Donc moi, je suis parti de ce discours et je me suis dit, on a toujours fait, et tous les gens copient Franquin, et restent sur une structure ronde avec deux points, un gros nez et un très très grand sourire, une très très grande bouche pour sourire parce que c'est joyeux. Parce que comme c'est l'humoristique, on est là pour faire rire et on est là pour être joyeux. Donc grande place à la bouche. Et je me suis dit, je vais essayer d'inverser parce que moi, ce que j'ai envie de raconter, c'était quelque chose, et je dis, c'est assez fou de le penser qu'en 78 chez Spirou, pour vous dire, on me dit que je fais de la bande dessinée d'avant-garde avec Bidouille. Il faut le savoir. Pourquoi ? Parce que je raconte une histoire avec un garçon et une fille. Et qu'à cette époque-là, les couples, c'est Spirou et Fantasio. Et croyez-moi que ce n'était pas le mariage pour tous. Voilà. Donc, à ce moment-là, déjà dessiner une fille... J'en profite pour dire effectivement qu'une des grosses caractéristiques, je pense, au niveau mondial de la bande dessinée franco-belge, c'est que c'est
presque exclusivement masculin jusque dans les années 70, 70. Oui, absolument. Donc, jusqu'à Bretéché, et parce puis après c'est Stein, etc. D'ailleurs, mais c'était principalement aussi, parce que, oui, parce qu'il y avait, ce problème aussi d'être destiné à la jeunesse, et que dès qu'il y avait un personnage féminin, c'était très très touchy, quoi. Mais chez Dupuis, c'était des grands catholiques aussi, il ne faut pas perdre. Oui, mais non, c'est pas ça, c'était des lois en France dans les années 60. En 1949, il y avait la loi sur les publications destinées à la jeunesse. Chez Dupuis, ça les arrangeait très bien. Il typexait les bonnes femmes dans les salons de Lucky Luke. On n'a pas encore. Ça, c'est toutes les images. C'était pas vraiment. Mais du coup, le fait que ça soit difficile de représenter des femmes, c'était du coup pas très attractif, j'imagine, pour les jeunes filles de l'époque. Mais ça, c'est évident. Hein. Voilà. Moi, j'ai toujours pensé que je dis pas que c'est un complot patriarcal. Hein. Je dis juste l'histoire a fait que. Voilà, non, mais c'est sûr. Je veux dire, il est évident que le journal de Spirou ou de Tintin regroupait des héros avant 68, donc avant la révolution sexuelle, qui ont des métiers. Ils n'ont pas de psychologie, ils ont des métiers. Ils sont journalistes, cow-boys, aviateurs. Et il est évident que les histoires de pampan romain, détective, sauf a priori, ça passionne plus les garçons que les filles. Une des choses qui était marrante au référendum. Non, moi, c'est pas tellement. Ce qui me posait question, c'était pas tellement le métier des gens. Moi, je pouvais. Quand je lisais Tintin, je m'identifiais à Tintin. Je veux dire, les filles, nous, on a fait ça toute notre vie, s'identifier à des héros. Quand tu regardes, je sais pas, Indiana Jones, tu t'identifies pas à la fille, elle fait rien. Tu t'identifies au mec, forcément. Donc ça, c'était pas ça le problème. C'était peut-être plus une question de packaging. Je m'identifie à Milou, moi, c'est dingue. Milou aussi, ouais, mais Milou est assez non-binaire, moi, je dirais. Milou est assez féminin, enfin, voilà. Mais bref, c'est juste pour dire que c'est plus le packaging, en fait, qui était pas attractif. Écoute, parce que les histoires, honnêtement, moi, en tant que petite gamine... Certains, peut-être pour toi, ce que je peux dire, c'est que le référendum, J'ai lu des héros masculins sans aucun souci. Oui. Par contre, que les thèmes commencent comme Bidouille et Violette, à devenir les histoires d'amour. Ensuite, moi, j'étais très influencée par Cosette, et donc le côté voyage, machin, et tout ça, effectivement, ça me parlait peut-être plus et que Natacha, les choses très, Natacha, très virilistes. Ça te parlait, Natacha ? J'aimais bien Natacha, mais Natacha, oui, macho. Voilà. Non, c'est pas moche. Hein. J'ai pas dit que c'était moche. J'ai dit que c'est. J'ai pas du tout dit ça. J'ai pas du tout dit ça. J'ai dit que c'était macho, c'est tout. C'est une bande dessinée de petits garçons macho, qui rêvent des gros pas, seins de Playboy. C'est tout. Oui, le graphiquement, effectivement. Mais enfin, c'était déjà bien d'avoir une héroïne. Oui, parce qu'elle avait son tempérament quand même. C'était au moins une bonne. Ouais. Enfin, tu vois, quand on commence à te marteler que tu es. Parce que Violette fille, n'est pas vilaine. Hein. Voilà. Violette, c'est pas ça. C'était une mère féministe, combattante, militante au niveau politique. J'étais éduqué à toute cette pensée et donc la première volonté que j'avais en faisant de la bande dessinée... Allonge-toi, parle-nous de ta maman. Non, c'est pas ça. La première volonté que j'avais en faisant de la bande dessinée, c'était justement d'amener des personnages féminins. Voilà. Et qui ne soient pas une bimbo avec des gros seins, etc., mais qui ait une psychologie. Mais donc il y a Violette, il y a effectivement Julie dans Sambre, ouais. Mais moi j'ai aussi par exemple Kate dans Jonathan. Absolument. C'est des choses qui m'ont... voilà, où effectivement on se sent peut-être plus accueilli que dans Bogdani. Quoi. Je suis tout à fait d'accord. Hein. J'ai rien contre les avions, c'est très bien les avions, mais voilà, Bogdani c'est quand même des histoires que de mecs. Et c'est marrant parce que Tintin, ça me posait pas ce problème-là. Mais je pense qu'à un moment donné, Tintin est très féminin la bande aussi, dessinée pour enfants est asexuée. Ouais. Et donc dans la mesure où elle est asexuée, oui, tout le monde peut se glisser dans le costume de Tintin. Le personnage de Tintin est assez non-binaire, même dans ses expressions et tout, il est parfois assez féminin dans sa façon de s'asseoir, sa façon de se tenir. Baptême, est-ce que Marsupilami est asexué ? Absolument pas. Non, puisque dès le nid de Marsupilami fait des enfants. Mais, non, et puis bon, à la limite, je dis, si je vais aller dans le sens de Bernard, on pourrait même dire que la façon dont la petite famille est organisée pourrait être un peu réac, avec la maman qui s'occupe de garnir le nid et le papa qui va à la pêche. Donc maintenant, c'est avec les amours que je fais avec... Créé dans les années 60, c'est normal. Mais Franquin fait ses cotines, qui est quand même une femme qui a un métier et qui n'est pas une bimbo, et qui existe, et qui a une vraie personnalité, et tout le monde se souvient de ses cotines de son côté. Après ça, il va créer... Super sexy, ce cotine. Hein. C'est pas une elle est mignonne, mais oh, oui enfin... Elle devait pas être moche dans son comportement. Elle est très féminine. Elle allait pas être moche non plus, t'imagines. La façon dont elle retire sa jupe, etc. Et puis, Moiselle Jeanne, mais il n'y a pas que Moiselle Jeanne. Il y a d'autres femmes. Il y a d'autres femmes dans la rédaction de Spirou qui montent et qui ont une tête. C'est-à-dire que on n'essaye pas de les rendre jolies. Elles ont une tête aussi caricaturale que les hommes. Mais Moiselle Jeanne, ça, c'est un grand pas. C'est enfin un
personnage féminin qui n'est pas une espèce d'idéal machin. Voilà. Et elle est quand même mignonne, et Gaston est quand même amoureux d'elle, donc il y a quand même. Voilà. Enfin, Moiselle Jeanne, dans ses débuts, c'est plus facile de s'identifier mignonne, à Moiselle Jeanne qu'à Natacha. Mais effectivement, quoi. Franquin est un des premiers à pouvoir dessiner en bande dessinée humoristique des personnages féminins qui ne se ressemblent pas, qui ne sont pas moulés. Effectivement, on passe de Kathleen à Sonia et puis Moiselle Jeanne, ouais. sont vraiment des personnages. Très féminins, mais qui ne se ressemblent pas, ne sont pas moulés, effectivement, c'est par le côté blondasse dont on va changer la couleur des cheveux parce que c'est la cousine. Avec ça, c'est vrai. Parle Franquin, là, c'est pas n'importe qui. Hein. Je voulais quand même préciser que quand je parlais de l'exemple familial qui pourrait être donné par le Marsupilami, c'est des années 50. Aujourd'hui, quand même, avec Stéphane Coleman au scénario, on donne une autre dimension. Hein. Mm-hmm. C'est quand même, on est prudent par rapport à ça. Mais c'est resté 40 ans en arrière. C'est une responsabilité que vous avez aussi par rapport à une bande dessinée très tout public. Comme je celle-là. Pense, effectivement. D'ailleurs, dans les derniers albums, la Marsupilami promet à plusieurs reprises le Marsupilami à sa place. Donc, je pense que c'est intéressant. On ne veut pas à tout prix. Mais elle a une individualité. Oui, bien entendu. Bien entendu, il faut faire très attention. Tu as l'impression d'être pleinement dans une tradition, toi, Luc Graphiquement, oui. Oui, enfin, graphiquement, et même au-delà. Avec le fait d'avoir hérité de ces personnages qui préexistaient, d'un univers qui préexistait, même si vous avez amené toute une galaxie de nouveaux personnages. Hein. Ceux qui lisent les albums savent que... chaque album vient de nouveautés, une façon d'interpréter. Même aussi des personnages récurrents qui sont vraiment devenus des personnages dont les enfants se sont appropriés l'existence dans la série, mais qui ne sont pas des personnages franquinesques ou franquiniens, je ne sais pas comment on doit les appeler. Franquiniens, pardon. Oui, c'est certain, parce que même si à la base je me suis engagé, même contractuellement, à respecter l'univers graphique de Franquin, inévitablement ça évolue. Et puis, j'en parlais tout à l'heure, un jour je me dis, tiens, je vais écrire une histoire, parce que j'en ai scénarisé quelques-unes, j'avais envie de faire neiger sur la jungle de Palombie. Vous imaginez tout de suite les gars que ça peut amener. Je me dis, ça peut être très poétique aussi, le nid sous la neige, avec les Indiens Chahuta qui grelottent sous leur pagne, et puis le rio qui gèle, et puis le jaguar qui se casse la figure. Bon. Des gags, mais je ne parvenais pas à trouver la bonne idée pour faire neiger sur la jungle de Palombie, ayant gardé, quelque part coincé dans mon esprit, que Franquin tenait absolument, gardait toujours une forme de réalisme, entre guillemets, dans sa série. Ça reste toujours crédible. Quand Gaston souffle dans un hapeau, si un éléphant débarque dans la rédaction, c'est absurde, mais c'est plausible. D'ailleurs, il m'avait dit qu'il avait toujours regretté d'avoir fait ce gag où Gaston souffle dans un hapeau, et vient se poser cette espèce d'oiseau improbable, comme on dit aujourd'hui, sur la pluie de fenêtre. Une espèce de craco-casse. Oui. Et André Franquin aimait ce personnage. D'ailleurs, il l'avait dessiné en grand. Je l'ai vu traîner quelque part dans un coin de son atelier. Mais il a dit, mais j'aurais jamais dû faire ça. Ce personnage ne peut pas exister dans l'univers de Gaston. Il m'avait mis ça en tête. Je ne peux pas faire neiger n'importe comment. Et c'est Stéphane Coleman, qui travaillait dans le même atelier que moi à l'époque, qui m'a dit, mais tu sais, Luc, moi j'ai déjà fait du scénario. Est-ce que tu veux que je m'y essaie? Je lui ai dit, écoute, bien volontiers. Et c'est lui, moi je n'aurais jamais osé franchir le pas, c'est lui qui a amené cette part de chamanisme dans la série et de magie, ce qui nous a ouvert des portes et ce qui nous empêche aussi de tourner en rond. On ne peut pas écrire une trentaine ou dessiner une trentaine d'albums avec le Marsupilami qui fout des nions à des gens qui viennent perturber son équilibre familial, ça c'est évident. Donc il fallait amener quelque chose d'autre. Et cette magie, ce côté chamanique, nous a permis de faire venir ce fameux Yeti de la jungle, qui est le Mapingari, etc. Et puis la magie. Et puis maintenant, dans le prochain album, vous verrez que le Marsupilami n'est pas seulement. Enfin, je ne suis pas là pour faire la promotion du prochain album. Je vais poser la question à toi en premier, parce que je pense que c'est toi qui dois d'abord y répondre. Qu'est-ce qu'on fait avec l'héritage aujourd'hui en bande dessinée? Comment on se débrouille avec cet héritage Hergé, Franquin, principalement Hergé et Franquin, mais tout cet héritage franco-belge, est-ce qu'il pèse? Est-ce qu'on peut se sentir en paix avec tout ça? Est-ce qu'on peut se sentir tout à fait libre de créer ce qu'on veut? Bon, évidemment, toi, tu viens d'expliquer les limites. Oui, qui sont les tiennes. Oui, il y a une forme d'autocensure aussi, parce que je n'ai pas un cahier des charges. C'est un petit peu on l'avantage. Peut-être passer à quelques-unes de tes images, parce que pendant ce temps-là, on voit les images de Bernard. Donc, si c'est possible de. Oui, mais il faudrait partir de là. Tout le monde connaît le Marsupilami, normalement, mais elles sont ici. Je les avais mises là, mais voilà. Quand on pose sur l'écran, ça ne passe pas. Qu'est-ce que je voulais dire d'ailleurs? Sur l'héritage, comment est-ce qu'on vit avec ça? Ce que je voulais dire. C'est l'héritage, la peinture belge. J'avais envie de lancer ça parce que dessinateur belge avec un personnage belge, le clin d'œil à Magritte est assez évident. J'en ai fait toute une série comme ça. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, la reprise d'un personnage comme le Marsupilami,
n'est pas une reprise comme les autres, parce qu'il n'y a pas un cahier des charges, ce que je disais tout à l'heure, énorme. C'est un personnage qui est sorti de son livre, c'est un petit personnage secondaire, un personnage qui accompagnait Spirou et Fantasio. Et là, même s'il y avait déjà ma seule bibliographie, en fait, pour faire court, c'est le Nid des Marsupilami, oui. Ce formidable album de dessiné par Franquin de Spirou et Fantasio. Mais en plus de ça, Franquin ne voulait absolument pas que je le dessine comme ça. Donc lui, il avait rejeté tout ça. Donc j'avais, hormis ces différents éléments que j'avais eus sous les yeux pendant que je travaillais à la CEP sur cette réalisation de la bibliographie pour le dessin animé, j'avais un peu tout à réinventer, mais avec l'œil bienveillant d'André Franquin, parce qu'il faut vous dire que dès que j'en avais la possibilité, j'allais chez lui. C'est Franquin, m'a pris sous son aile protectrice. Je me suis retrouvé du jour au lendemain à ma table à dessin avec le Marsupilami à dessiner sur un scénario de grec. Je pense que je serais toujours en train d'essayer de terminer la deuxième page. Bon, là, Franquin m'a vraiment appris le métier et j'ai vraiment appris sur le tas. J'avais déjà un peu publié, mais dans des petites revues. Et comme je le disais tout à l'heure, moi j'ai une formation d'illustrateur très influencée par la BD, mais d'illustrateur. Je n'avais pas véritablement le sens de la narration. Bon, voilà, j'ai été à la meilleure école qui soit, pour moi en tous les cas. Maintenant, comment dirais-je, ce n'est pas lourd pour moi. Je ne me sens pas. Mais c'est un état d'esprit. Je revendique parfois un peu mon côté imbécile heureux. Je suis tellement content d'être là. Il n'y a personne pour me freiner. Je dessine un personnage que j'adore, qui évolue bien malgré moi, mais inévitablement avec l'apport de tous les différents scénaristes, et maintenant avec Stéphane depuis plus de 11 ans maintenant. On amène une autre dimension, de nouveaux personnages. Et si vraiment j'étais tenté de faire d'autres choses, mais je l'ai fait, et pour moi. J'ai d'ailleurs fait quelques tentatives, j'ai travaillé sur deux autres séries, mais qui étaient aussi un petit peu dans la lignée. Donc je ne me sens pas, et je le répète, je l'ai dit tout à l'heure, je me suis essayé à la bande dessinée réaliste, invité par Philippe Van Doren à l'époque. J'ai cru qu'il n'avait peut-être pas tort, mais c'est vachement trompé. Je m'y suis ennuyé. Ça ne m'empêche pas de prendre régulièrement mon pinceau, mon crayon, de faire des croquis d'attitude, de faire du dessin réaliste. Et pour l'instant, je suis en train, par exemple, de préparer une exposition pour une galerie parisienne. Et le Marsupilami n'est pour moi que prétexte à travailler différentes techniques, différents univers graphiques et autres. Et puis j'ai mis un petit Marsupilami, ça fait plaisir aux galeristes. Est-ce que Hergé est un passage obligé? C'est-à-dire, est-ce qu'on doit Hergé se positionner pour ou contre, descendant ou pas descendant? Oui, Hergé, Franquin, a... Beatles, Rolling Stones, Indien, Cowboy. Est-ce qu'aujourd'hui encore, l'incarnation même d'Hergé, père fondateur de la bande dessinée belge, existe encore dans les gènes de chacun des dessinateurs ou... Il a inventé tout le langage qu'on utilise, donc c'est normal qu'il soit là. Pas d'accord. Une grosse partie du langage de la bande dessinée européenne. Il a inventé certaines choses. Moi, en tous les cas, je vais tout à fait honnête avec vous. Je n'ai pas lu Tintin avant l'âge de 12 ans. Pas en même temps, si vous voulez bien. Je disais, je vais être tout à fait honnête. Moi, Tintin me cassait les... Je me suis plongé dans les aventures de Tintin qu'à l'âge de 12-13 ans, parce que ça m'ennuyait prodigieusement. C'est après, en grandissant, en ayant un peu plus de maturité, je vais dire, que j'ai réalisé tout ce qui était intéressant chez Hergé, son sens de la narration, effectivement, l'efficacité, mais je ne fais pas partie des auteurs sensibles à cette façon de travailler. Alors, mais Flore, j'ai un regard intéressé et une curiosité intellectuelle, bien sûr. Flore, voilà, parce que vous parliez en même temps, donc j'ai dû vous séparer. Je suis désolé, excuse-moi. Non, mais c'est parce que vraiment, je suis désolé. Tu voulais dire... Non, mais franchement... Oui. Tu voulais dire tout le bien que je pensais. Je disais juste que oui, Hergé, en tout cas, a été le premier, je veux dire... Il a influencé Jigé, qui lui-même a appris Franquin dans son atelier, et c'est Hergé qui a... De quelle façon aurait-il influencé Jigé? Mais moi, je n'ai peut-être pas le regard. Les premiers dessins de Jigé, c'était... Tu permets que je raconte juste cette petite histoire? Parce que c'était aussi le principal. Enfin, je raconte juste c'était le seul, même. Ne l'interromps pas pendant qu'elle parle. Non, mais je lui demande. Oui. L'histoire sur... C'est parce que tu cites Jigé, et il y a une histoire très marrante qui se passe dans les années 30. C'est Jigé, il y a Hergé qui reproche à Jigé de l'avoir copié. Et la réponse de Jigé, c'est d'envoyer un dessin de Tintin, et où il y a un coup de vent, et hop, en dessous, on voit Bécassine. Voilà. Donc, je parlais du langage, je ne parlais pas spécifiquement du graphisme. Je prends juste ce petit détail. Mais... La construction de toute la gamme des petites étoiles, des trucs, de la narration en BD franco-belge, c'est Hergé qui l'a établi, pas spécialement parce qu'il est meilleur que les autres, simplement parce qu'il était là avant, parce qu'il commence en 1929, c'est tout. Et que c'est la principale lecture avec les Américains. Je ne dis pas du tout ce regard-là et cette vision de l'histoire. Donc toi, tu t'es positionné
contre Hergé? Non, c'est pas exactement ça. Ou ça t'intéresse pas? Non, c'est pas exactement ça. C'est-à-dire que c'est un conflit d'une autre époque, puisque c'est la guerre entre Tintin et Spirou. Et il y a deux écoles qui sont vraiment opposées et qui sont des écoles qui vont très très loin, parce que dans l'histoire de l'art, il y a toujours eu ce genre de combat entre les apolliniens et les dionysiaques, entre les classiques et les baroques. Eh bien, c'est la même chose. Hergé va revendiquer la ligne claire, et il y a des auteurs qui le suivent et qui, sont qui à la limite, vont théoriser en même temps que lui, c'est Edgar Pierre Jacobs, qui va théoriser ce que c'est que la ligne claire et qui est une forme d'adaptation aux conditions d'impression de l'époque. Et donc ça va conditionner toute une bande dessinée dans Tintin, réaliste, avec une certaine vision. Et de l'autre côté, il y a la bande de l'école de Marcinelle qui va partir de Disney et qui va essayer de créer ce mouvement qui leur est interdit, puisque les Franquin, Peyot et autres, de départ, ils voulaient faire du dessin animé, Lucky Luke, etc. Et ils vont essayer de réinventer le mouvement, l'humoristique, le drôle. Et Tintin, ça va être la BD réaliste pendant des décennies, et Spirou, c'était l'humoristique. Donc tout le langage de bande dessinée humoristique, à cette époque-là et tout, c'est Franquin qui en fait tous les codes. Et ils s'opposent, et c'est comme... C'est ça qui est extraordinaire, d'ailleurs, dans l'histoire après. De la BD, c'est qu'il y a un côté yin et yang. Ils se répondent parce qu'ils sont juste la pièce manquante de l'autre. Autant on peut dire que Hergé a l'intelligence, la conception, la cohérence, l'élitisme, l'intellectualisme et l'exclusion et le sectarisme qui vont avec, autant Franquin n'a jamais voulu être ce qu'il était pour tous, le chef de file. C'est le type qui s'excuse de... qui ne se rend pas compte de son talent, qui ne veut pas être directeur artistique, qui ne veut pas faire de la culture, qui refuse l'abstraction, qui n'a aucune théorie et qui dit « moi, je suis là juste pour faire des gags ». Or, en fait, son dessin est clairement en perpétuelle évolution et c'est un des premiers auteurs qui va réellement faire passer sa vie dans sa bande dessinée qui suit les évolutions de ses émotions. Donc, on a une bande dessinée émotive. Où tu places Cuic et Flup, là-dedans ? Comment ? Où est-ce que tu places Cuic et Flup dans cette histoire? dans le genre invention d'un langage de gag et de crawl, là, comme on dit chez nous, de boucle, de truc. À l'époque, on considère que le premier à avoir fait des gags en une page, c'est Franquin. Voilà, c'est tout. C'est en deux pages, parce qu'il y avait 6 cases par page. Mais... Comment, pardon? Cuic et Flup, c'était en deux pages, mais bon, c'est pas... C'est possible, mais je veux dire, ça n'a pas c'était eu cette influence 30. Marquante sur la bande dessinée. Les gens ne s'y référaient pas. Mais non, mais moi, je ne comprends pas ce besoin d'opposer, en fait. Mais pour moi, il y a une filiation. Effectivement, il y a eu des moments de conflit, de cristallisation. Et comme tu disais, le côté apollinien, le côté dionysiaque, c'est très intéressant, c'est une très bonne lecture. Mais simplement, moi, je ne vois pas d'étanchéité. Il y a la limite des pôles. Ça voudrait peut-être tout simplement dire... Et puis, il y a une chronologie aussi, tout simplement. Ça voudrait peut-être tout simplement dire qu'une génération plus loin... En fait, tout ça a été absorbé et que les conflits d'école n'existent plus aujourd'hui. Les gros débats sur Hergé, c'est toujours ça. C'est des débats historiques, c'est des débats sur la collaboration, sur le colonialisme. Je parle du travail de dessinateur, d'auteur aujourd'hui dans les écoles, de ceux qui sortent des écoles aujourd'hui. Est-ce que aujourd'hui, la bande dessinée qui naît des écoles belges, par exemple, se réfère encore à Hergé et à Franquin? Je n'ai pas fait d'école, je ne sais pas du tout. Non, ça m'étonnerait. Non, je ne pense pas. Fini ça. C'est même plutôt le contraire. Je dirais même que dans les années 70, en caricaturant très fort, bon, tu l'as dit, il y avait le réalisme chez Tintin et l'humoristique chez Spirou, on peut aller un peu plus loin, et je l'ai entendu un peu de la bouche de Franquin, il y avait d'un côté Hergé une certaine élégance, et de l'autre côté, une certaine vulgarité, mais positive, nous sommes bien d'accord. André Franquin me disait, quand tu fais ton lettrage ici, n'aie pas peur d'y ajouter une petite touche de vulgarité. C'est-à-dire, ne cherche pas l'élégance à tout prix, il faut que ça bouge, en fait. Et c'est comme ça que, comme tout le monde le sait, quand Franquin dessine une lettre, quand Franquin dessine une feuille qui tombe d'un arbre, elle vit, il y fait passer ses émotions, et Bernard l'a très bien dit, il fait évoluer sa bande dessinée en fonction de ses humeurs, de son état d'esprit, de ses états d'âme, etc. Et en perpétuel... Il se renouvelle tout le temps, il se cherche tout le temps. Il va faire Les Idées Noires, qui est quand même un sommet de l'émotion portée
où il n'y a plus que ça. Il n'y a plus que son émotion qui fait la cohérence de ce livre, qui est un livre de dépressif, c'est le moins qu'on puisse dire, qui est une forme de comète filante dans la bande dessinée de l'époque. On ne sait pas très bien si c'est de l'humoristique, si c'est exactement ce que c'est. C'est Franquin est un auteur à part entière qui donne sa vision du monde, qui est absolument terrifiante. Voilà. Il y a quelque chose là qui se passe. Hergé n'a jamais fait sa coming out. C'est terrifiant et très drôle. Ça, c'est, oui, enfin, c'est peut-être aussi ce côté absurde belge. Qu'on trouve dans le surréalisme. Je trouve que. J'ai habité pendant à peu près 7 ans en France, donc j'ai une vision de la Belgique encore un peu touristique par moment. Ça fait genre 6 ans que je suis revenue. Mais j'ai pu voir mon pays de l'extérieur. C'est quand même intéressant. Et je trouve qu'il y a quand même un côté très anglo-saxon, quoi. Et quand on voit un humour comme celui de Nyx, qui est un dessinateur flamand que personnellement j'adore, je trouve complètement cinglé, mais c'est quelque chose qui est impossible en France. Enfin, un auteur pareil, c'est impossible en France. Et je sais pas, il les enferme ces gens-là. On pourrait parler de Cowboy Hank aussi. De qui De Cowboy Hank. Oui, voilà, Kamagorka. Voilà, il y a effectivement, dans l'humour sans doute encore plus qu'ailleurs. Mais du coup, je pense que ça passe aussi chez les francophones. Il y a une espèce de truc. Entre on est coincé entre les Hollandais, les Germains, les Anglo-Saxons et les Français. Et bon, ben nous, par hasard, par le hasard de la naissance, notre langue d'expression est française. Mais à 15 km près, c'était flamand. Et puis voilà. Mais il y a quand même cet esprit. Alors l'heure avance. Je pense qu'on va vous proposer de participer dans le public et de poser peut-être les questions qui vous brûlent les lèvres depuis des heures. Ou les invectives, ou les injures même à l'adresse de l'un ou de l'autre. Non, hein, pas ça. Hein. Vous êtes des gens bien éduqués. C'était dans les années 70 quand il y avait des gens qui se levaient et qui disaient « Ce que vous dites, c'est vraiment des conneries !» C'est fini, c'est un scandale, monsieur El Kabach. Voilà, on va voir. Un tout petit peu plus devant votre micro qu'on vous en... qui gêne beaucoup les collectionneurs de bandes dessinées, en Belgique, les albums de bandes dessinées, genre Martin le Malin, par exemple, on ne trouve pas de date de parution. Alors, n'y aurait-il pas de dépôt légal en Belgique comme en France ? Si, il existe un dépôt légal en Belgique. Mais pourquoi pas de... On ne retrouve pas d'année, souvent, dans les albums. J'ai beau chercher. Les anciens, dans les années 60-70. C'est vrai qu'il y a toute une série de rééditions, je dirais même de rééditions, où ce n'est pas daté. Je me suis même demandé si ce n'est pas délibéré de la part des éditeurs. Mais enfin, bon, on part. Je pense qu'il y a effectivement, dans les années 60, eu énormément de rotatives qui fonctionnaient, et où on publiait vraiment beaucoup, beaucoup de choses, à des très petits tirages parfois, et qu'il n'y a pas eu forcément un souci légal derrière. Mais le dépôt légal existe bel et bien en Belgique. Oui, ça, vous en faites pas, il y a une bibliothèque royale avec normalement des exemplaires de chaque livre publié, qu'il s'agisse de bande dessinée ou de littérature. Mais c'est quelque chose qui est corrigé aujourd'hui. Enfin, ça n'arriverait plus. Aujourd'hui, tout est répertorié de manière absolument parfaite, que ce soit en France, en Belgique ou ailleurs. Ça, peut-être que dans les années 60, ça a été lié à une surproduction, avec beaucoup, beaucoup de micro-éditeurs aussi qui étaient liés à des supports de presse éphémères. Il y a beaucoup de rachats aussi, des maisons qui ont à peine eu le temps de publier quelques albums et puis de disparaître, de mettre la clé sous le paillasson. Mmh, oui. Et deuxième question, je pensais, quand vous avez parlé un petit peu de censure dans le journal Spirou, à une certaine époque, je pensais par exemple aux aventures de Franca, de Hank Schwieper, il présentait souvent des scènes un peu érotiques de son enquêtrice hein, dans l'art. C'est les aventures de Franca. Franca, oui. Franca. Oui, Franca. Il paraît que le rédacteur en chef lui aurait demandé de rhabiller son personnage. C'est arrivé à plus d'un auteur. Hein. Oui, c'est arrivé à plus d'un auteur. Et disons que le jeu de Yannick Conrad, à un moment donné, était de jouer avec les codes et de voir jusqu'à quel point ils allaient être censurés. Et donc, ils sont allés très loin, d'ailleurs. Ils sont allés loin. Et moi, j'ai eu puisqu'on était très potes et qu'on jouait là-dessus, j'ai eu aussi des planches censurées. C'est-à-dire que le rédacteur en chef vous appelle en disant « Écoute, ça, c'est pas possible, il faut redessiner ».
Comme moi j'étais à Bruxelles, je pouvais redessiner sur les planches, tandis qu'Yann et Conrad, ils étaient à Marseille, donc c'était plus loin. Et donc c'est le secrétaire de rédaction qui a mis des caleçons au personnage des innommables parce qu'il n'y avait pas le temps. Voilà, c'est l'anecdote. Franca, c'est un petit phénomène à côté de ce qu'ont fait Yann et Conrad. Hein. Je l'ai tout de suite. Hein. Parce que toute l'histoire de ce qu'il publiait, c'est que De Koch était le rédacteur en chef et il y avait José Dutilleux qui était le yes-man de Dupuis, qui est un Marcinelle, et comme la rédaction était à Bruxelles, il était là pour surveiller. Le directeur du concept, c'est pas ça? Le directeur du concept. Et c'était un homme. Ce titre est formidable. Extraordinaire. Monsieur, merveilleusement bien. Voilà. Et qu'il y avait des formules qui, on n'invente pas ça, c'est pas possible, du genre Franca, une dépression. Ouais, mais la dépression, ça édore la tête. Hein. Bon, ça donne une idée du personnage. Et quand un jour il était directeur du concept, on lui a demandé, c'est quoi le concept? Il a dit, le concept, je l'ai gardé dans une petite boîte noire et je ne l'ouvre jamais. Voilà. Ça, c'était le niveau du personnage. Donc, il était là, il essayait de surveiller. Et donc, il y avait Alain De Koch qui jouait un double jeu parce qu'il était rédacteur en chef et qui publiait des séries comme notamment Les Petits Hommes ou De Guitare, etc. Et de notre côté, il avait envie que Yann et Conrad existe. Et donc, il essayait de faire passer, d'envoyer à l'imprimerie avant que le directeur du concept tombe sur les choses. Et donc, il y avait des techniques, parce que le bureau de José Dutilleux était au rez-de-chaussée et le bureau du rédacteur en chef était au premier étage. Et il y avait une entrée officielle et puis il y avait l'entrée de service qui descendait par les toilettes et qui sortait dans la rue. Et donc, Alain De Koch demandait qu'on lui livre des crêpes. Et ces crêpes arrivaient dans des formes de grandes enveloppes lequel on mettait la crêpe. Et le retour, c'était les originaux de Yann et Conrad qui sortaient de la maison, puisqu'on croyait que c'était pour des crêpes et que ça faisait rire, parce que c'était l'esprit Gaston. Hein. Mmh. C'est vraiment le foutoir. Et la rédaction Spirou, c'était vraiment le foutoir. Donc, De Koch essayait de revenir à cet esprit. Et donc, il utilisait ces formes de gros cartons pour faire passer et éviter que... Mais parfois, ça ne marchait pas. Et donc, il y avait certains gags qui passaient et d'autres pas. Voilà. C'était une histoire qui amusait tout le monde, enfin qui amusait cinq personnes qui étaient... Sauf le directeur du concept. Sauf le directeur du concept. Mais c'est rigolo, oui, quoi. Je ne connaissais pas du tout cette anecdote. Cinq ou six dessinateurs à vraiment vouloir révolutionner le journal Spirou. On faisait des réunions secrètes chez Alain De Koch. À l'insu, on a fait des maquettes d'un nouveau journal, d'un nouveau Spirou. Et on avait proposé, moi j'avais proposé Spirou est mort, une couverture. Alors, hein, et puis il y avait une double couverture derrière, on tournait, c'était Vive Spirou. Hein, donc le roi est mort, Vive Spirou. Donc pour marquer le changement. Et ben, ça, ce n'est pas passé, par exemple, parce que José Dutilleux, voilà, ça. Ça va faire fuir, etc. Et donc, c'était cet esprit de rébellion qui était vraiment théorisé chez Dupuis dans ses débuts des années 80, fin des années 70, sur le modèle de Yvan Delporte qui avait flanqué le bordel. Et donc, ils essayaient de retrouver ça. Et c'est pour ça que voilà, cet esprit chez Spirou est chaque fois revenu par période. Et à chaque fois, voilà, c'est toute l'histoire. C'est toute l'histoire de l'humanité aussi. Des gens qui fomentent des insurrections. Non, mais je t'entends. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une petite remarque pour faire suite à l'opposition et la pseudo-opposition entre Franquin et puis Hergé. Il y avait il y a un mois ici une soirée dans le même cadre où il y avait Isabelle Franquin. Et il y a vers la fin, la dernière question, c'est un petit garçon d'une dizaine d'années qui l'a posé, qui a demandé, est-ce que Franquin aimait Hergé? Et alors, Isabelle Franquin a dit qu'en fait, elle se rappelait qu'il y avait un seul album d'Hergé qui était à la maison, dans leur maison, je crois que c'était Trésor de la Carmel Rouge, si je ne dis pas de bêtises, et qu'elle n'a aucun souvenir d'avoir vu son père l'ouvrir ou le feuilleter, et il ne l'a jamais lu quand elle était petite. Donc, visiblement, Franquin n'était... En tout cas... Après la naissance de sa fille, n'était pas très intéressée par Tintin. En tout cas, elle n'a pas voulu faire la promotion auprès de sa fille. Et une autre anecdote, mais vous pouvez connaître, parce que ça, elle est connue, que quand on parlait à Hergé de Franquin, il disait « Oui, Franquin, c'est bien, mais n'est-ce pas un peu vulgaire ?» Ce qui était un peu le comble, ce qu'il rejetait le plus dans le rôle de Tintin. Il avait toujours peur que ce soit vulgaire. Voilà, ce n'était pas vraiment une question. Mais c'est vrai, parce que je connais bien Joël Azara, qui a travaillé pour Hergé. Et Joël Azara était quand même
pro-Franquin, même s'il a, il a beaucoup appris auprès d'Hergé. Mais il disait, il amenait régulièrement le journal de Spirou et il le déposait toujours de façon un petit peu négligente sur un, sur le, sur un bureau. Et comme Hergé avait l'habitude de venir prendre le thé tous les jours à 16h, grosso modo, et Hergé se présentait, tout se passait bien, et alors il tombait toujours sur le journal de Spirou et il soulevait la première page. Oui. C'est quand même un peu vulgaire, effectivement. C'est effectivement. Mais cette forme de vulgarité est revendiquée aussi par, par les auteurs de chez Dupuis. Franquin m'en avait, m'en avait parlé sur, de, sur ce ton, en tous les cas. Bon, est-ce que vous pensez... Alors qu'on prenait le thé chez Hergé, on prenait une bière à, on prenait une bière à la rédaction Spirou. Hein. Non, je pensais à une autre opposition qui est que, enfin, je ne sais pas si, ça, si c'est complètement idiot ou pas, mais que Hergé, c'est plus Bruxelles, et bon, Dupuis, c'est quand même Marcinelle, quoi. Oui, mais l'école de Marcinelle, ça ne veut rien dire. Hein. C'est quoi l'école de Marcinelle ? Ils étaient à Bruxelles aussi Oui, ils ont été à Bruxelles fort longtemps. Je sais pas. On a mis ce nom d'école de Marcinelle parce que l'éditeur était un Marcinelle. L'imprimeur. Mais, oui, l'imprimeur. L'imprimeur. Mais c'est une rédaction qui a été très longtemps bruxelloise. Hein. Elle ne l'est plus. Non. Maintenant, elle est de retour à Marcinelle. Mais moi, les premières fois où je me suis présenté à la rédaction, c'était à Bruxelles. Ouais, mais il y a toujours le bureau. D'autres questions ? Je pense que, moi, pour dire, c'est qu'il faut bien comprendre que la bande dessinée, à ce moment-là, c'est tout petit. Je veux dire, le journal Spirou, il fait 64 pages, il faut le remplir, et on ne va pas prendre plus de dessinateurs qu'il n'en faut pour le remplir. Et donc, à ce moment-là, quand on se présente dans les années 60 au journal Spirou, on attend son tour, que quelqu'un ne produise pas, etc. Quoi. Ça n'a rien à voir avec le marché aujourd'hui. L'important à l'époque, ce n'est pas les albums, ça n'existe pas. C'est le journal et tout ce qu'il y a autour. Et donc, il y a des histoires de personnes qui se jouent. Ce sont des bandes de copains qui se connaissent. Et c'est vrai que Franquin n'avait sans doute pas grand-chose à dire à Hergé, réciproquement. De toute façon, je pense que Hergé était quelqu'un qui considérait qu'il était le meilleur auteur et qu'il a, il n'y avait personne qui trouvait grâce à ses yeux, à part Claire Bretéché. Voilà, c'est la seule chose qu'il a toujours dit, Claire Bretéché. Les autres qui étaient autour de lui... Il a dit des choses gentilles sur Franquin aussi. Il a dit des choses gentilles, il était obligé de reconnaître d'abord l'influence qu'il avait, alors que Franquin était quelqu'un d'extrêmement s'entourer, qui plaisait à tout le monde, qui voulait jamais être méchant, qui ne savait pas dire non, etc. Il y avait toute cette personnalité de Franquin qui faisait qu'il était entouré. Voilà, tout le monde aimait Franquin. Ce n'était pas possible de ne pas aimer Franquin. Il n'y avait pas moyen. Hergé, il vivait dans une tour d'ivoire. Et de toute façon, quelque part, c'est son studio qui produisait. Moi, quand j'ai rencontré Hergé... Comment ? Oui, mais moi, quand j'ai rencontré, il est venu chez moi. Et ce qu'il disait à mon père, il disait, moi, j'ai commencé à être heureux à 55 ans quand j'ai arrêté de dessiner. Voilà, ça dit tout sur Hergé. Cet homme était... D'après ce que j'ai compris après, un grand dépressif aussi. Et il a trouvé le bonheur quand il a vraiment arrêté de s'épuiser à courir après cette forme d'idéal que représentait Tintin, je ne sais pas très bien quoi. Il a bossé comme un malade aussi. Enfin, Franquin aussi, bien sûr. Mais je veux dire, oui, à une époque, Hergé, il faisait genre 5 pages par semaine. Enfin, au tout début, oui, tout à fait. Ouais, dans les années 30, assez vite, il va... Enfin, ça fait quand même 15 ans de sa vie, hein. Oui, absolument. Mais c'est sans doute, d'ailleurs, en tant que, comment dire, en tant que dessinateur, c'est cette partie-là qui me passionne le plus. Ce qui se passe après, c'est compliqué. Bon, c'est clair qu'il invente le marketing. C'est vrai qu'il va, redessiner, il va inventer un graphisme qui va commercialiser, qui va inventer un style à la bande dessinée. Comment ? Ça se rédit après. Voilà, voilà. Et il y a quelque chose de moins cohérent, je dirais. Alors que Franquin, il continue à chercher. Il avait envie, voilà, je ne sais pas, moi je me rappelle, à un moment donné, on a fait ce livre, Et Franquin créa la gaffe, qui était le bouquin de Numa Sadoul, qui voulait faire la première grande, je ne sais pas comment dire, interview pour Franquin. Grand entretien. Grand entretien. Voilà, et Yann et moi, on a illustré, donc on a participé à ce bouquin, puisqu'en plus il était édité par Schlierf, et Schlierf était mon ami de toujours. C'est un de mes livres de chevet quand j'étais ado, voilà. Je voulais faire de la BD. et donc le Franquin, il est là, et on va au restaurant, et... Il a beaucoup d'admiration pour Yann et Conrad parce qu'il ne se laisse pas faire par l'éditeur, hein, parce que lui, il s'est fait avoir pendant des années et il a fait Spirou. Il en avait marre de Spirou. Et un beau jour, il était dire à Dupuis que vraiment, là, il en a ras-le-bol, et il lâche et tout. Et bon, voilà, continue. Et comme il a beaucoup d'admiration pour les iconoclastes que sont
Yannick Conrad. Il a beaucoup d'admiration pour Edika, voilà, par exemple. C'est quand même à 180 degrés de ce qu'il fait, je trouve. Mais bon, voilà. Et il a un côté à chercher les jeunes. Et tout. Il s'habille avec un petit blouson de cuir et au repas, il essaye de faire des blagues de cul pendant tout le repas. Et nous, on est là face à une idole qui nous a fait hurler. Pourquoi essaye ? Parce que ça n'était pas drôle. Ça ne marchait pas. Ça n'était pas drôle. Et Yann et moi, on se regardait en disant, mais comment est-ce qu'on va réussir à rire à ces blagues ? C'était totalement déplacé, ce n'était pas marrant. Et quand tu as la personne que quand tu considères comme le génie de la bande dessinée humoristique ou du gag en une page et qui ne te fait pas rire, tu n'es pas à l'aise, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Et donc tu découvres Franquin qui est dans toute sa dimension humaine et fragile, j'ai envie de dire, quoi. Voilà. Ça, c'est les grands moments avec Franquin, c'est ce côté où il ne joue jamais, hein, il est ce qu'il est. Alors qu'Hergé, t'as fait l'impression, quand il parlait, qu'il faisait son dossier de presse, quoi. Tu comprends ? Il te donnait un beau discours, et qui était huilé, mais c'était extraordinaire. Il avait une manière de tourner les dos quand la question ne l'intéressait pas. Il ne répondait pas, et puis c'était fini, quoi. C'était tout. Franquin, il se mettait en danger, quoi. Voilà. Et un jour, la plus belle anecdote, et c'est un truc qui m'a marqué au niveau philosophique, enfin philosophique, entendons-nous, mais je veux dire, la pensée de Franquin, c'est qu'il est totalement déprimé. Et on est au bistrot, il y a Numa, Yves Schlierf et moi, et Franquin. Et donc, il y a Franquin qui se désespère parce qu'il trouve que son dessin est nul. Bon, il trouve que vraiment ce qu'il fait, c'est de la merde. Bon, il le dit, il le répète, on le sait tous. Et il vient de vendre 1 million d'exemplaires avec le dernier Gaston, qui est la plus grosse vente qu'il ait jamais faite à ce moment-là. Donc voilà. Et Numa lui dit, écoute quand même, André, tu exagères, quoi. Hein, je veux dire, il y a quand même 1 million de personnes qui aiment ce que tu fais. Et il dit, écoute, c'est pas le nombre qui compte. Combien de personnes ont voté pour Hitler ? Effrayant. Effrayant. Ça, c'est un vrai dépressif. C'est la dépression. Hein. C'est un vrai dépressif. Hein. Voilà. Ça, c'est franc. Hein. Ah, son expression, c'était « Certains matins, je me sens comme un caillou sur une pierre plate ». Donc, il était vraiment dépressif. Un caillou sur une pierre plate. Le caillou, c'était lui. La pierre plate, c'était la terre. Donc, il était vraiment paralysé. Quoi. Que ça ne vous empêche pas de poser des questions drôles. Oui, là. Bonjour tout le monde. Je me présente, je m'appelle Fala Modou. Oui. Ma question est le rôle du lion dans la rédaction de. Quel était son rôle le lion. Le lion dont s'est occupé Yvan Delporte. Vous connaissez certainement l'histoire. D'accord. C'est une histoire qui est arrivée dans les années 60 qu'on m'a racontée, mais là, j'étais pas là. Voilà. Delporte, effectivement, c'était le genre à faire des passages à l'acte, quoi. Effectivement, il amène un lion à la rédaction de la même manière que les histoires que je raconte là avec les crêpes et voilà. Et oui, il y avait une vache aussi, quoi. Non ? Il n'y avait pas une la vache, histoire de vache. La vache, c'était un concours. Ouais. Un concours. Mais qui apparaît dans les gags d'ailleurs. Hein, voilà, c'est ça. Et la lionne aussi apparaît. Parce que ce n'est qu'à la lionne, quand elle débarque à la rédaction, c'est un gros chat. L'idée qui était assez géniale, à mon sens, de la part de Delporte, c'était, comme c'était un journal, c'était de créer de l'actualité. Et il voulait faire un journal d'actualité, mais une actualité réinventée. C'est-à-dire une actualité qui soit l'actualité du journal Spirou. En fait, puisque ce qu'on appelle l'animation aujourd'hui. Oui, oui, mais c'est plus que ça, puisque à Gaston. De lion et de vache. Voilà, et donc Gaston est au départ un produit de l'animation qui va devenir presque le symbole du journal. Mais pour entretenir ça, pour donner, crédibiliser cette rédaction qui ne ressemble pas tellement à ce que Gaston était, parce que c'était beaucoup plus sale que ça d'ailleurs. Eh bien, Delporte a ses idées lumineuses comme ça, d'amener, faire un concours pour une vache ou d'amener un lion. Et, voilà. Et ça a duré. Voilà. Il y a eu ce genre de choses. Et je pense que The Boss, là, comment c'est Thierry Tinlot a essayé de réinventer un peu cet esprit de nouveau dans les années 90. Comme quoi, chez Dupuis, il y a toujours eu ce côté, on passe de l'un à l'autre. Qui était suivi par Frédéric Nifle, qui vient de céder le siège de rédacteur en chef. Cette semaine, à Florence Mixel. Voilà. Elle reste rédactrice adjointe. Et il y a un suspense. Bah jusqu'à la fin du contrat de Frédéric. Hein. Bah, je pense que vous avez une soirée électorale en vue en France et qu'on ne va pas être beaucoup plus long que ça parce que vos téléviseurs vous attendent. Une vingtaine de minutes pour rejoindre vous. Bah, merci à tous les quatre. En tout cas, c'était un débat riche, animé. Merci et bravo. Merci à vous. Merci. Merci.